Couvre-moi, couvre-moi. Sous tes ailes, conduis-moi par ta main puissante. Par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie, parce qu'il me donne force. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Encore une fois, en Jésus seul, Il me donne Force calme et puissant. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Seigneur. Chapitre 17, petit message nous était même, Assyrie, Babylone, où éternité bienheureuse. Nous était, ouais, dans verset 1 jusqu'au verset 6, que dans la 9e année, en verset 6, la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak, sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Donc, nous avons eu un peu l'événement de l'histoire d'Israël qui était acheminé vers la captivité ça, en Assyrie. Et environ 130 ans plus tard, Juda lui-même, qui est le royaume dans le sud,
yo pralé en captivité à Babylone à cause de désobéissance yo. Verset 9, nous te wè, les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Au cas dit mais verset ça en Jean Doual, il dit ça que qui gens mon ka font bagarre en secret contre l'Éternel. Comme si objectif ça que on a fait contre l'Éternel. Li pa gagne vraiment que le ka fait bon Dieu. On y connaît ça. C'est pour où? C'est pour dérouter ou? C'est pour moi, c'est pour dérouter, c'est pour dérouter les hommes. Donc songez objectif là. Donc pour comprendre langage bien. Donc les faire en secret, ça veut dire y a fait grand bon bagarre sa apparence que grand bagarre c'est hypocrisie que c'est dissimulation que et bagarre ça y a dérouté moi ma veau pour nous pas arrêter sur vrai chemin que bon Dieu tracé pour moi-même ensemble avoir. On nous poursuivre tout nous te voit que bon Dieu constamment te averti, il t'a averti Israël, il t'a averti Juda par ses prophètes dans verset 13. Il dit nous l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants et leur dit revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point et ils roidirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Donc nous voyons que bon Dieu était toujours parlé, nous était allé tout dans Hébreux chapitre 1 verset 1 qui dit nous après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils en parlant de Jésus-Christ, pas vrai, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé le monde. Nous voyons tout dans verset 19 2 Rois 17 verset 19. Judas même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Donc le nous finouer dans verset 6 là que Israël allait en captivité à Babylone. Songez Israël, c'était la nation du nord, le royaume du nord, pays était divisé après le règne de Salomon, un royaume du nord qui était conservé non Israël là et royaume du sud qui était relé Juda et c'est là que Israël que l'était. Donc même le en Israël à la captivité, Juda lui-même pas apprendre le son, lui continuer à désobéir commandement bon Dieu, l'a suivre même chemin Israël là. Donc yo même tout, yo pas subir conséquences péché par 130 ans environ plus tard. Nous te wè tout, te gen deux versets clés nous te accentué sur yo en pile. Nous te et c'est là que nous te rivé dans la dernière fois, c'est 2 Rois chapitre 17 verset 20 et 21 après Lio. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. La Bible, pour comprendre, c'est la Bible qui peut interpréter la Bible. Il y a un bagage qu'on va pouvoir faire comprendre le langage, là. Faire comprendre comme si un style littéraire, là. Faire comprendre, évidemment, ça faut prendre dans son entier tout. Ou pas qu'on ait un petit bout de verset à gauche, un petit bout de verset à droite. C'est ça, en plus, mon affaire. Il prend un petit verset là, un petit verset là, un petit verset là. Si m'a parlé, il pourra prendre un petit bout de samedi, un ça et là, pour faire passer un point, ou capable de faire me dissolver. Et quelqu'un qui va comprendre ça, il pense à comment, comme son faiblesse qui est dans la Bible. Non, on fait ça pour n'importe livre, n'importe livre, même n'importe livre, n'importe monde qui a fait ça pour. En fait, quand je l'aime des jeunes, le notre on allait non, c'est de activité jeunesse. C'était une sorte de, qu'a dit, notre on prend plaisir, nous comme ça à côté, ou à pas simuler. Par contre, c'est comme ça, ou à simuler deux radios qui parlent. Comprendre? Mais c'est comme si dans dissimulation dans simulation à faire, c'est comme ça donc radio ça dit un bagage et puis fréquence en gens troublés autant dans l'autre radio dit l'autre bagage et puis on mettez ensemble et autant dans l'autre bagage net. C'est ça qu'on fait le qu'on attendez le on prend un petit bout ça on dit à gauche un petit bout ça on à droite pour coller pied c'est yo et puis vous faites dire un bagage qui est entièrement différent de ça mon nom que le dit. Par exemple là prenons un exemple, comprendre bon Dieu Jésus-Christ coulé sur la terre, il dit comme si
que le remet tout le monde. Il remet pécheur. Donc, ou après, il protège toute qualité monde. Il protège femme adultère là. Donc, il remet femme adultère là. On a dit, mais Jésus remet monde adultère. On a fait ça. Et puis, répondant, on a dit, oui, il remet la femme adultère. On a dit, eh bien, ça passe là. Et pour me comprendre, ou pas mettre le contexte. Ou a fait la Bible dit sauve. Ou a fait Jésus-Christ personnage ouvré. Ou prend ça que le dédié, ou mettez hors de contexte li, ou vous dire ça qu'on voulait. Même je suis capable de faire dire ça qu'on voulait tout. Parce que moi j'ai un pile message. Mais si que moi j'ai environ faut gagner au moins 1000 messages déjà. Vous comprenez qu'on cap circuler. On pas contrôler même parce que faut lire au moins 1000 messages déjà cap circuler. Donc si pour tout message ça pour un petit bout de samedi à gauche, un petit bout de samedi à droite, vous mettez ensemble, on capable faire dire ça qu'on voulait. Donc, fais un pile attention avec langage là. Par exemple, nous avons verset 21. Il dit, ils avaient fait roi Jéroboam. Soit l'île Jéroboam, tu roi. Ou parce que c'est bon Dieu qui fait roi. Pour le dossier, peuple qui fait roi. Pour qui ça? Et songez que, direction qu'on va aller. Bon Dieu va besoin de lever le petit doigt. Là, il dit, non, bon Dieu, vous voyez, on va chasser Israël. Bon Dieu va besoin de lever le petit doigt. Depuis l'heure qu'il était l'Égypte, bon, tu te dis Israël, mais deux chemins. Chemin bénédiction, chemin malédiction. Ou prend chemin ça, ou ap joen. Ou ap joen problème, difficulté. Ou fait joen problème, ou fait chemin ça, ou ap joen bénédiction. Ou ap joen bien-être. Bon, tu vas besoin de lever le petit doigt encore. Parce que l'établi des lois spirituelles qui ap géré par ça déjà. Donc, c'est moi-même qui vous décide ce chemin que je voulais prendre. Bon, tu vas besoin de lever le petit doigt lui-même. En fait, je dis non, non bon Dieu pas gagné changement ni homme de variation. Bon Dieu pas gagné changer. Donc, il faut qu'on comprenne ça pour qu'on comprenne le langage. Bien, nous avons deux points essentiels. Une est sortie dans verset 20 et une est sortie dans verset 21. Ce qui est sorti dans verset 20, c'est que gagnons une série d'événements, nous connaissons, il a culminé vers un coup de grâce, vers un événement final. Nous connaissons déjà. Mais, bon Dieu, quand ça m'a averti, nous de lui-même. Et nous prenons un piège là quand même. Donc, nous prenons un piège là, c'est fort pas non. Et ça qui va passer Israël, et c'est ça qui va passer là en tant que pays, en Haïti. Un pilote pays tout. Comme c'est le créole haïtien a parlé, nous prenons un pays non comme exemple. Mais, il va là pour un pilote pays tout. Vous comprenez? Un pilote pays. Nous, ça qui va passer dans la crise coronavirus là. Côté première puissance du monde, États-Unis. Quelle grande puissance du monde tout en Europe. Il y a un problème masque. Haïti va acheter un bon masque en Chine parce qu'il voulait, mais Haïti n'a pas de problème masque. Non? Parce que nous avons une industrie textile qui a fonctionné en Haïti. Nous avons une factory qui a une machine à coudre là-dedans qui a fait des milliers de masques par jour. Bah, si nous voulons faire en Haïti, nous avons fait. Mais les États-Unis ont une crise masque pour qui ça? Il n'y a pas de factory ça aux États-Unis encore. Ils voyaient tout en Chine. Mais on dit, mais pour qui ça, vous voyez en Chine? Et sous urgence? Et vous avez une urgence dans le coronavirus? Il n'y a pas de. Si la Chine n'est pas là-haut, ou pas joindre, la Chine a fait boire des avions. Pour que ça arrive en Chine. Parce que, main devant Chine, puis bon marché. Donc, moun wè intérêt personnel, l'argent que a fait. Et monsieur, que en pile nan moun sa ou, qui te voye, industrie sa ou, factory sa ou, en Chine, parce que main devant, puis bon marché, pour qu'a fait plus profit, yon retire job États-Unis, yon voye en Chine. Moi, sûr que en pile nan moun sa ou mouri, dans le coronavirus. Yon paye conséquences péché yo. Moi, il faut nous comprendre, ça va bien. Donc, nous te parlé tout de. Nous te font râler sur un pile intellectuel et un pile journaliste, comme nous avons des journalistes plus que l'autre intellectuel. Nous te prenons un exemple qui ignore des choses spirituelles et puis qui pense qu'il connaît. Les gens qui pensent qu'il connaît dans tout leur domaine, ils lit automatiquement qu'il connaît des choses spirituelles. Là, il parle de christianisme, où il y a un pile ignorance dans la radio ici. Dans la radio États-Unis en France, oui, mais moins États-Unis en France. Parce que ici, nous gagnons conception, c'est que depuis que l'Église n'est pas capable de rien spécial. Comme nous avons même quitté le disciple depuis que nous sommes dans le troisième secondaire, et nous étions en contact, et moi avec les notre l'école, nous étions toujours dans la tête classe, parce que nous étions formés dans la mathématique, dans la physique, dans la chimie. Bah ça on m'avait les noté physiologie bah ça on était fort là-dedans en pile et puis monsieur ouais moi venant pasteur en l'église
après les me fait en pile étude fait CTPA moi fait me passer dans la faculté des sciences là mais que me pas traiter dans la faculté des sciences me passer dans la science comptable dans Inagé moi fait pendant sciences de l'éducation États-Unis me fait informatique États-Unis me fait maîtrise en États-Unis en pile étude donc les sur toute carrière moi dans sens ça les connais moi c'est mon qui remet sciences qui remet mathématiques qui remet technologie. Et puis, il n'y a pas comprendre qui j'en fait que qu'on y a moins pasteur en l'église. Et puis, mais au moins, il a gagné un bande de sens d'esprit lui-même. Il a commencé à lire la Bible pour le comprendre. Et c'est ça que l'intellectuel n'a pas fait en Haïti. Et ça que le journaliste n'a pas fait en Haïti. Il n'y a pas allé dans le livre qui définit ça, christianisme haïtien, pour connaître qui ça que lié. Et puis, il y a moqué le yon monde qui vient dans la radio, soit yon monde qui dit le chrétien. Ou même qu'à vérifier si le chrétien est vraiment vrai. Mon nom dit le pasteur, pas qu'à vérifier si mon nom son pasteur vraiment vrai. Et puis mon a affiché comprendre des messages qui pas fait sens puisque le message n'a pas fait sens et puis même il a critiqué bon Dieu et mais bon Dieu lui-même dit en ban laisser Haïti faire ben États-Unis bon Dieu pas en faveur pas la monde en faveur là mon n'a devant là comprendre faut qu'on gagne ban faut gagner un gagnant américain un sénateur américain qui écrit un livre comprendre la perte du sens commun de loss of common sense. Gen an pile moun ki fè an pile étude mais yo pa jam développé common sense ça, le sens du commun ça ou bien bon sens. Yo pa gen comprendre yo juste gon connaissance livrée c'est bien après mettre des bêtises que on pourrait se tabdi. Gen des professeurs qui tabdi des choses. Et puis elle a mouvé États-Unis jeune professeur pas camper son rien non ou pas même connait background yo. Moi gen yo nan professeur le noté dans reto qui était fond en mathématiques en pile bail ça et puis j'ai 11 ans mais moi l'arrivé New York l'état New York avant professeur il était en fait génie électrique New York fait maîtrise bail ça et puis le professeur venir rentrer aux États-Unis bien taille ça monsieur pas l'école pas le faire génie électrique tout professeur qui était professeur là et puis connait professeur venir un problème dans mathématiques physique chimie qui monde connait cap tuteur lui c'est ancien étudiant ça ami maintenant qui était dans classe avec moi dans l'école là cap tuteur monsieur et puis mais pour ça il va deux bagages que qu'on a dit non on prend deux bon Dieu deux bagages pour nous te rejeter la Bible je sais pas mais quand personne rien vraiment vrai nous juste faire le décret dit nous poursuivre connait nous font bon aller on va désolé pour ça à nous poursuivre dans 2 Rois chapitre 17 verset 22 qui dit non les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie où il est resté jusqu'à ce jour. Ce jour là, quand je mets dans le contexte, c'est pas jour dit on a parlé là, c'est le livre ça t'a écrit. Verset 24, 2 Rois 17 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cutha, d'Ava, de Hama et de Sepharvaïm. Il les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne criaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir. » parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'ils leur enseignent la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Ça pas dans notre main là non mais écoutez m'a réalisé tout pendant que m'a appelé ça moi bon j'avais utilisé même événement captivité ça là pour capable enseigner monde que lié l'autre monde vient habiter pays hein mais bon j'ai pas juste que comme ça non la pensée qui monde que lié c'est moi bon Dieu ça que m'a avoir qu'n'a servi l'utiliser tout événement dans la vie non pour capable avancer non tout en tout événement dans la vie de tout monde les hommes en général pour capable enseigner yo et ça c'est bagaille avant extra extraordinaire. Un autre point encore tout qui va dans notre manteau qui passe dans notre point pendant que m'appelant là que qui est important me fait passer dans l'autre message mais qui est important dans message ça là même pas fait le passer. C'est un objectif qui fait
Satan te avant li acharné contre peuple Israël, le peuple acharné pour yo capable abandonner bon Dieu, parce que Satan te kon prophétie tout que à travers Israël gen un messie qui va venir. À travers Israël que bon Dieu va prendre forme humaine. Et Satan fait tout possible pour ça va jamais faire, parce qu'il connaît que si ça fait, c'est condamnation à mort. Donc Satan fait en sorte pour même l'Israël de quitter l'Égypte pour le faire mélanger, parce que bon Dieu bah des rois qui dit pas marié avec monde qui est en dehors de race Israël. Et nous voyons que bon, Satan toujours fangeant pour lui introduire des femmes étrangères pour les mélanger. C'est toujours une lutte constante pour eux. Et leur aller en captivité en Assyrie, mélange avec une fête qu'on y a. Et mélange tellement fait, même leur retourner en Samarie, peuple Juda qui est dans le sud, pas jamais considéré comme juif encore. C'est comme si ils pas mélangé avec eux, parce que ils connaissent eux-mêmes, ils étaient mélangés avec les Assyriens. Donc ils viennent les Samaritains. Donc ils sont peuple mélangé qui ont et d'après ça, en pile conséquence, cela fait le Nouveau Testament, nous voyons que comprendre que un Samaritain pas de importance dans les yeux juifs, parce que tu connais c'est le sang mêlé qui ont. On met un autre aspect qui dans notre main là pour dépasser ça. Regardez, lors de dépasser ça, ouais, monde là, l'homme dit monde là, non, j'aime dire ce monde là, c'est comme si monde qui par contre bon Dieu, ça me le dit, le monde, j'aime dire le monde, monde qui par contre bon Dieu ou bien qui par contre le vrai Dieu. Le monde d'alors, il semble dans le contexte au moins que tu es peut-être plus près de Dieu que le monde d'aujourd'hui. Dans le sens de monde, monde qui parle de bon Dieu. Non sens. Pour ça qu'il me dit ça. Parce que, au moins, même là que tu as servi Jéhovah Dieu, mais tu admettre l'existence. Tu admettre l'existence de Dieu par pays ou bien par ethnie. Tu connais Jéhovah Dieu, Dieu par eux et tu respectes ça. Il va imposer juif par eux et même leur yo prend l'autre monde faire habiter en Israël pour qu'à mélanger honnête. Ouais, le bon Dieu a utilisé des méthodes pour le faire monde ça venir comme qui monde que lié parce que changer monde ça était brassé avec des juifs et un bilan juif ça c'est pas tout qui était désobéissant à la parole de Dieu, même leur yo subit conséquences dans tout. Comprendre? Donc bon Dieu utilisé monde ça yo pour parler avec étrangers ça qui venir. Donc il vient réaliser que si vous ne pouvez pas dire que vous avez un problème sur le côté que vous êtes là, donc, quand il y a un roi à Syrie, vous voyez prêtre venir, vous avez un respect qu'il a. Que nous ne pouvons pas jouer. Que les hommes en général, ils ne peuvent pas respecter ça, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre ni ce que ce n'est pas bon. Et ils ont plus de fois fait au nom de la science, mais ça fait un pas scientifique. Ils voulaient rejeter le concept de Dieu au profit de la science. Mais la science lui-même, ils connaissent la science. Moi, je me fais une licence en mathématiques. Tout. Moi, je l'ai pris en dernier cours mathématiques dans l'University of Massachusetts, Boston. Que c'est ça qui fait me donner l'église. Vous pouvez avancer ça, je me quitter l'église. C'est le m'a pas prendre, scientifiquement parlant, que nous ne connaissons pas. Vous venez au niveau qu'on y a là et puis nos mathématiques là genre que vous avez fait dans le dernier semestre de l'école là pas gain x y z encore, c'est philosophie seulement, parce que mathématiques sortent dans philosophie. Donc comme si qu'on y a ou venez retourner dans philosophie encore et puis dans philosophie qu'on y a un aspect important, c'est qu'on est que nos parents est qu'on pas de bagarre que nos parents est nous très limités et pour nous respecter ça nous parents est et pour nous continuer à faire recherche pour nous connaître plus. Mais mon jeudi en par connaît que par connaît non, il pensait que depuis t'aller, il prend diplôme de bagaille, il connaît toute bagaille. Et le dangereux, on va essayer c'est Lewis qui te dit, c'est Lewis mais non, c'est pas c'est Lewis, c'est lui pasteur qui te dit que l'homme on gonti connaissance tout petit, lié royal de bon Dieu. Mais monde qui gagne bon connaissance, lié approché le de bon Dieu. Et lui pasteur lui-même t'est approché le de bon Dieu lui-même parce qu'il était en pile connaissance et jusqu'à maintenant non arrêté comme en référence dans domaine chimie. Donc, fais attention. Péché qui est plus difficile pour moi-même dans la vie, ça, c'est l'orgueil. Et opinion m'en basé sur la Bible. Entendez quelques versets. Et c'est ça, c'est l'orgueil ça qui fait mon vin pas qu'à apprendre encore. C'est l'orgueil ça qui pense qu'on connaît côté, hein, ou bon ou bon là, ou pas qu'on fait, ou pas qu'on connaît. De pourquoi on connaît ou pourquoi on connaît. Tout le temps qu'on apprend connaissance, ou apprend connaissance, ou apprend qu'on connaît ou pas qu'on connaît. Plus on connaît, c'est plus on connaît qu'on pas qu'on connaît. Dis non. Proverbe 16, verset 5, tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Proverbe 21, verset 24, l'orgueilleux, le hautain s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance.
Ésaïe 2, verset 12, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Mot orgueil apparaît 100 fois dans la Bible. Mot hautain apparaît environ 28 fois. C'est-à-dire qu'il est important pour moi-même avec, comme si pour nous examiner la vie constamment, pour ne pas quitter cet orgueil qui a mené nous. Parce que depuis l'orgueil mené, même l'homme de l'Église, orgueil a parti avant l'appel royal de l'Éternel des armées. Ésaïe 13, verset 11, il dit non, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Jérémie 13, 9, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Vous connaissez que, en pile fois, péché que nous avons fait, c'est conséquence orgueil. Et le li puni, le li joigne en condamnation. C'est pas pour péché, hein, vraiment. Parce que péché, c'est un symptôme. Péché que nous avons gardé, c'est un symptôme. Exemple, c'est homosexualité. En plus, fois, on a regardé Sodome et Gomorre. Ouais, même mot, Sodome, on a fait mot, sodomie, etc., qui a rapport avec homosexualité. Mais bon Dieu, c'est pas pour homosexualité hein, en soi, non, qu'elle était punie, Sodome et Gomorre. C'est l'orgueil qui est là-dedans. Parce que l'orgueil, orgueil, là, on ne veut pas repentir. Parce que péché en soi, son symptôme, c'est la fièvre là, qui fait qu'on est que malade. Mais si moi reconnaître que malade, pas gain orgueil là dedans, m'a cherché à aller ca docteur pour docteur ba me mettre pour faire analyse pour me résoudre problème là. Mais les orgueilleux, il me parle ca docteur, oh c'est mal fait ca docteur, m'a mourir. M'a mourir parce que cause fièvre là, m'a pas jamais connait et si son cancer t'a ba la fièvre là, qu'a fait quoi connait comme bagarre qui pas ça, m'a pas tendé. Et puis m'a mourir, mourir, même gens m'a mourir dans péché, il y a mourir spirituellement dans péché parce que l'orgueil empêché chercher la face de Dieu pour y repentir. Dans Ézéchiel 16, verset 49, il dit non. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, entre autres, c'est Gomorre. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Donc c'est l'orgueil qui est plus gros problème non, qui fait subir conséquences ça. Israël subit même conséquences plus tard que Sodome et Gomorre qui subit. Et moi avant encore n'a subi même conséquences surtout. Si nous prenons un piège que orgueil fait monde prendre la donne pour empêcher de repentir. Deux à 17 verset 29 dit nous. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Ouais, mot vient paraître là dans la Bible pour la première fois. Les Samaritains, c'est mélange ça que roi d'Assyrie prend en bande monde sorti en Babylone qui c'est l'Iran, l'Irak qui était un seul pays. Il était là ça, il prend monde dans toute qualité zone yo, il mélange yo, il mette yo en Israël. Bon, mais même le livre yon moun, yon prêtre qui sortit en Assyrie, qui pour expliquer aux gens pour servir Jéhovah Dieu, mais nous non, chaque fait affaire par eux. Verset 30, 2 Rois 17, 30. Les gens de Babylone firent Sukobeno, les gens de Q firent Nergal, les gens de Hama firent Hashima, ceux de Hava firent Nibshaz et Tak, ceux de Sepharvaim brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramaélec et d'Anamélec, dieu de Sepharvaim. Verset 32, 2 Rois 17, 32. Ils criaient aussi l'Éternel. On a dit, un syncrétisme, un peu bon Dieu dans l'église, un peu de vaudou. Choisis quand. Pas mélanger, il n'y a pas mélangeable. Choisis quand. Verset 32. Ils criaient aussi l'Éternel et ils se criaient des prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Verset 33, 2 Rois 17, 33. Ainsi, ils criaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages
Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leur loi, ni à leurs ordonnances, ni à la loi et au commandement prescrit par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. Verset 30 et 32 semble que confusion. Non, il craint le bon Dieu. Non, il va craindre le bon Dieu. Donc, un peu le monde qui a pensé, oh, il y a confusion là, parce que, ouais, un peu de fois, le monde dit, c'est confusion, c'est parce qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas comprendre. Et moi, avoir qui est haïtien et français en général, nous très limités en termes de traduction. Traduction qui est plus connue dans le monde francophone, c'est la traduction de Louis II. Et il y a pile bagaille qui, moi, avoir, nous ne pouvons pas comprendre. Le traduction dans l'acte de la politique, comme ça, que, en parlant de Paul, qui en bon cas parler Paul par carreau Jean B contre les aiguillons ou pas comme ça l'a dit la parole de don c'est cadeau donc pas veut dire cadeau qu'on y a faut prendre mot cadeau c'est le don pour dire que l'homme dit font don bon cadeau comprendre mais il paraît dans le même sens là en vrai comprendre il perd un peu dans ce sens ça c'est dans Éphésiens 2 verset 8 traduit qu'on y a en français courant. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Mais elle dit, c'est le don de Dieu. Comment c'est pas comme ça? Donc, en anglais, il y a une meilleure traduction. Bon, peuple anglophone, en général, ils comprennent la Bible plus que peuple francophone à cause de ça. Donc, la grâce là, oui, coutume, tradition. Bon, qui ont été gagnés, ils ont suivi. Mais puisque ils ont là, tout le dit, ben, peuple, ça, c'est bon Dieu. Bon, on respecte ça, on gagne en tout. Donc comme si vivent un mélange qu'a fait on yo craint le bon Dieu ça et pas dans craint dans sens que yo pas le respect sous craint l'Éternel des armées tout bon vrai ou pas servir d'autre dieu de vous craint l'Éternel des armées et d'autre dieu ou pas craint l'Éternel des armées dans langage l'Éternel des armées ou pas craint ni là quelqu'un dit sont déjà jaloux puis mon passe yo courir avec oh qui ont dit fait jaloux comme si vous n'avez pas joué des imbéciles qui pas comprendre comme si même si sous ou te prend livre littéraire ou pas commenter sur comme ça non. Comme si il y a une littérature, disons, le dit, un texte littéraire. Par contre, de ce genre, comme une façon que l'auteur allait prendre un texte, quand on monde leur fait poésie, ils prennent, ils virent, ils ne peuvent pas courir de ce parce que je dis un bagage, ou même ils prennent les sons, ils rentrent dans ce sens-là, ils veulent dire. Les gens sont déjà là en termes que les deux, c'est les mêmes ou autres. Jean-Zé Mintor a dit tout le temps, Jean-Zé Mintor a dit comme ça, que c'est toi ou le néant. C'est bon Dieu ou bien rien du tout. Bon Dieu dit, je ne vais pas mélanger. Donc c'est dans ce sens-là que lui veut dire, et Paul vient expliquer que jalousie, bon Dieu, pas jalousie les hommes, je ne comprends rien. Donc j'ai Oprah Winfrey, a dit, c'est pour ça qu'il était l'église, le lit dans la Bible que bon Dieu son Dieu jaloux. Oh, que la fait servir bon Dieu jaloux, mon apage quoi imbécile. On va dire, en plus, on a suivi tout dans l'imbécilité. Il faut nous questionner toute tradition. Ouais, c'est tradition, mon sao, qui est dans le péché, on connaît Jéhovah Dieu. Tra coutume pays par yo. J'ai été fait bagaille. Tout le monde essaie de prendre. Prend en bonne religion et puis yo adapté à culture yo bagaille yo comme si mais il pas bon même si langage dans l'était universel et les États-Unis maintenant un pasteur américain qui a prêché et puis là de ouais c'est comme tado c'est campagne qui a fait pour républicain même pas peut-être dépasser ça encore pas tado encore parce que m'pas prendre message pour me venir en Haïti avec pour me venir prêcher c'est comme ça me toujours tester un message. Est-ce que je prends un message ça mal en Haïti avec? Est-ce que je prends un message ça là mal au Sénégal avec? Est-ce que je prends un message ça là mal en Afrique du Sud avec? Si message m'a prêché en Haïti, m'a prêché aux États-Unis, il n'est pas universel. Gon problème là-dedans. Donc c'est comme ça moins jugé en pile là parce que l'autre pays le m'a tendé des gens qui a prêché. Nous gagnons bonne tradition tout ici que nous prenons dans l'église, pas être chargé. Noël, vendredi saint, bah ça pas biblique. Comprendre? Il va dire que je ne peux pas célébrer, non? Ou tu vas célébrer parce que vous dites, ok, mon là, pour un jour, il mettait pour la naissance de Jésus-Christ, et ça va te profiter de dire qui mon Jésus-Christ est. Ça, c'est notre bagaille. Et comme si on peut utiliser une situation pour faire connaître qui mon Jésus-Christ est. C'est notre bagaille. C'est un outil d'évangélisation qu'on vient de gagner. Ou dit, vendredi saint, il mettait le bon, je ne vais pas mourir vendredi saint. Bon, il s'est même besoin d'aller dans ça même. Jésus te parle avec bouche, il ne parle mourir, il ne parle ressusciter. Il dit il a fait 3 jours, 3 nuits. Eh bien, s'il mourit vendredi saint, dans l'après-midi, il n'a pas qu'à dimanche matin où il était en vivant pour dire qu'il a fait 3 jours, 3 nuits. Bon. Donc, si vous voulez utiliser l'événement ça, que l'Église catholique mettait comme bon, la mort de Jésus-Christ pour évangéliser le monde, pour attirer l'attention du monde sur Jésus-Christ, je n'ai pas de problème. Même gens, m'utiliser Saint-Valentin pour moi aider les couples. Et ça m'a fait en fête religieuse. Le monde a fêté l'amour, eh, c'est un bel bagage.
Je prends les comme un outil, comprendre pour moi essayer à fermer les couples. Mais c'est pas fête là soir que m'a fêté. M'a fêté Noël, ça va intéresser. Comprendre l'époque Noël là, je vais un message sur Noël parce que tout on a parlé de lui pour m'expliquer ça lui, je prends avantage de lui, mais Noël là pas intéressé moi-même. Vendredi saint pas intéressé moi-même. Et grand pilote toujours qui pas intéressé. Toi on termine 2 à 10 verset 35 dit nous. L'Éternel avait fait alliance avec eux. Il leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne vous prosternerez point devant eux. Vous ne les servirez point. Et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance à bras et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez. Et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, les lois et les commandements qu'il a prescrit pour vous. Et vous ne craindrez point d'autre Dieu. 2 Rois 17, 38, pour nous terminer. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous. Vous ne craindrez point d'autre Dieu, mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu. Et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi. Ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations créaient l'Éternel et servaient leurs images. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. En d'autres termes, c'est la même crainte dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez la crainte de l'Éternel? Deuxième question, peut-être qu'on peut répondre oui, mais est-ce que la vie vous a prouvé ça? J'en crois vivre, j'en crois dépenser, j'en crois habiller, j'en crois habiter. Est-ce que vous a prouvé ça? Sinon, il n'est pas trop tard pour commencer. Anne sa grande histoire, n'a pas avec cette histoire ça, qui paf, qui fait, bon, qui fait la une de l'actualité États-Unis, bien que nous vivons contexte côté coronavirus prend toute l'actualité, hein, mais il fait actualité, une petite histoire petite mais fait actualité pour que ça, parce que on prend, il parle fort, et bien sûr que il parle fort avec ça qu'il dit, c'est dame ça que nous relais Donzella Washington, ou bien Donzella, je ne sais pas comment prononcer Washington, qui gain 80 années d'âge, il sort gradué dans l'université d'Alabama A&M université dans Alabama en décembre 2019 là. 80 années. Et il va faire volontaire, il gradué dans son travail social, il va faire volontaire non maison de convalescence parce qu'il gain bonne santé lui-même et puis la posture pour faire maîtrise lui. J'étais rêvé. Il pas jamais trop tard pour faire ça qui bien. Choix pour moi-même, je dis ensemble avoir Assyrie, Babylone ou éternité bienheureuse. Condamnation qu'on y a, condamnation puis devant, ou bien bénédiction à vie. Choix, c'est pour vous que lié. Chaque jour qui a passé, rapprochez-nous plus de la fin du monde. Et nous sommes capables de voir ça, de plus en plus de signes prophétiques. Nous avons terminé avec signes, ça, dans 2 Timothée 3, verset 1er, qui dit nous, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous connaissez ça. Quand les hommes seront égoïste pour que ça que États-Unis va qu'à joindre masque jodi hein parce que ban mon égoïste il prend tout facteur il met en Chine pour qu'a faire plus l'argent ami de l'argent fanfaron hautain blasphémateur rebelle à leurs parents ingrat irreligieux insensible déloyaux calomniateur intempérant cruel ennemi des gens de bien traître emporté enflé d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu et à l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. En d'autres termes, en nous veiller, en nous prier. Notre Père Céleste nous donne merci pour parole qui toujours mettez nous en garde contre tout ce qu'a fait dans le monde ça, qui n'est pas conforme à la volonté. Aide-nous, Seigneur, pour nous grand cœur repentant. Aide-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, pour ne pas quitter orgueil, empêcher-nous, rapprocher-nous de nous-mêmes et de plan qu'on gagne pour la vie. Nous. Nous prions au Seigneur pour pays, nous, en particulier le pays d'Haïti, qui a fait face avec le virus, même avec tout pays dans le monde. Mais nous connaissons que nous n'avons pas la capacité que le pays gagne pour nous prendre soin malade. Nous prions au Seigneur. Posez main de guérison sur nous-mêmes, mais au-dessus de tout, main de compréhension pour nous comprendre, parce qu'on parle avec nous dans un moment. Ça. Nous prions dans le petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu béni.
Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé. J'en suis ému à nouveau. J'en suis ému, Seigneur. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Oh, aujourd'hui. Tu règnes dans les lieux très hauts, où devant moi je m'inclinerai à présent, émerveillé par ton salut, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte, Seigneur, mon cœur t'exalte à nouveau. Par ta miséricorde, à nouveau merci, à nouveau je réponds ma vie, à nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde, à nouveau merci, à nouveau je réponds ma vie. Jésus-Christ, je réponds à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé. Je suis ému, Seigneur. À nouveau, Seigneur. À nouveau, je regarde à la fin où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Oh, à nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. À nouveau, merci. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. À nouveau, merci, Seigneur. À nouveau, je réponds ma vie. À nouveau, je réponds ma vie. Nous applaudissons pour moment ça, moment béni ça.